Ms. Maggie Nagel, Minister of Culture of Luxembourg. Your Excellency, you have the floor. Monsieur le Président de la Conférence générale, Monsieur le Président du Conseil exécutif, Madame la Directrice générale, Excellences, honorables délégués, la 38e Conférence générale a lieu à un moment crucial entre l'adoption du programme de développement durable à l'horizon 2030 et la tenue prochaine de la COP21. Je suis convaincu que pendant cette illustre conférence, traditionnellement riche en échanges et en idées, l'UNESCO saura se montrer de nouveau fidèle à sa vocation de faire avancer l'agenda onusien dans les mentalités des femmes et des hommes. Je salue expressément l'accent important mis sur la protection du patrimoine culturel et la promotion du pluralisme culturel en cas de conflit armé et exprime mon plein soutien à l'action de l'UNESCO. Il est inadmissible qu'on cherche à détruire non seulement des richesses culturelles, mais aussi ce que le patrimoine représente en termes de valeurs, d'identité, de références et d'émotions partagées. On s'attaque à notre vivre ensemble, et il est de notre responsabilité commune de réagir et de faire accepter que nos sociétés sont des êtres culturels et que par conséquent, notre développement et notre avenir passent aussi par la culture. C'est ce que nous essayons de faire, notamment en tant que présidence du Conseil de l'Union européenne. Il s'agit de promouvoir l'intégration plus transversale de la culture dans d'autres politiques sectorielles, notamment la politique de développement, et d'en arriver à une approche plus stratégique de la culture dans l'action extérieure de l'Union européenne, tout comme dans l'agenda 2030 de développement durable. Nous avons organisé une conférence sur le sujet à Luxembourg le 3 et 4 septembre dernier, et nous avons par ailleurs mis la destruction du patrimoine culturel à l'ordre du jour de la prochaine réunion du Conseil des ministres de la Culture de l'Union européenne qui se tiendra le 24 novembre prochain. Mais il faut aussi agir au niveau national, et c'est pourquoi je soutiens toutes les activités qui proposent une conjonction entre éducation et culture. Monsieur le Président, à une époque où des jeunes filles risquent leur vie en allant à l'école, où des jeunes garçons sont forcés de devenir soldats au lieu d'élèves, la liberté de s'instruire et l'accès à une éducation qualitative et humaine sont plus que jamais indispensables au progrès de la société humaine. Il convient de promouvoir l'apprentissage familial et les approches d'éducation intergénérationnelle qui permettent une formation hors du cadre scolaire et qui brisent les barrières artificielles entre l'apprentissage formel, non formel et informel. Avec l'afflux massif de réfugiés dans nos pays d'Europe occidentale, j'espère que l'UNESCO saura nous guider vers une intégration scolaire et professionnelle de milliers d'êtres humains déracinés. Les travaux de cette organisation tentent à garantir aux générations futures un environnement sain afin de leur permettre de s'épanouir dans un cadre de vie écologique et durable et dans un monde pacifique. Une belle illustration de ce but est le programme L'Homme et la Biosphère, destiné à protéger la nature au moyen d'un réseau de réserves de biosphère tout en y préservant l'activité humaine. Au vu de la publication imminente du rapport de l'UNESCO sur la science vers 2030, il convient de trouver un juste équilibre entre la promotion d'une liberté de la recherche scientifique d'une part et le respect de la bioéthique de l'autre. Ici, j'aimerais évoquer l'inauguration récente de la Maison du Savoir, la Maison des Sciences Humaines et la Maison de l'Innovation dans le sud du Grand-Duché de Luxembourg. Cette région
où, au siècle dernier, une sidérurgie florissante avait créé les bases de la richesse et de la société multiculturelle du Luxembourg. En ma qualité de ministre de la Culture, j'accorde une importance toute particulière à la liberté d'expression et à la création artistique. J'aimerais joindre la directrice générale dans l'importance qu'elle accorde à la liberté d'informer et de s'informer. Mon pays est particulièrement attaché à un journalisme libre, exempt de pression fondamentale pour le fonctionnement d'une démocratie. Et je voudrais à mon tour saisir cette occasion pour féliciter l'organisation pour son 70e anniversaire, une célébration conjointe des 70e anniversaire de l'Union européenne, de l'ONU et de l'UNESCO a eu lieu le 28 octobre dernier à l'Université du Luxembourg. De cette célébration est sorti un constat, celui de la pertinence de la mission de l'UNESCO dans un monde chaotique et son rôle à nous rappeler constamment les bénéfices d'une paix durable et à nous inciter sans relâche à partager et propager cet objectif impératif à l'avancement de l'humanité. Je vous remercie de votre attention.